Ça fait maintenant 4 ans que dure cette situation. Je suis seule, seule dans ma vie. La seule personne que je vois tous les jours, c'est mon coloc, assis sur le canapé et qui regarde la télé à longueur de journée. C'est des jours et des jours passés devant un écran, à suivre des cours en ligne, plus de contact humain, juste un écran sur lequel on reste figé. Pour ne pas sombrer, c'est la prise d'antidépresseurs, de gélules, jour après jour. Tout simplement parce que la douleur l'exige, même au péril de la tête, du corps et de l'esprit. Mais donc cette phase d'adaptation. Mais dernière phase qui peut survenir, évidemment, à différents degrés et toujours selon ce psychiatre, c'est la phase d'épuisement. Et après l'accélération de l'adaptation, cette phase d'épuisement, ça fait aucun doute qu'aujourd'hui elle est présente chez beaucoup de jeunes, enfin beaucoup de personnes au sein de la population. Mais notamment beaucoup de jeunes, et elle peut avoir des conséquences assez dramatiques, et c'est pour ça aussi que ça me semblait essentiel d'en parler aujourd'hui, d'avoir ce dialogue aujourd'hui. Cette solidarité du coup, qu'on a eue pour nos aînés, en appliquant encore d'ailleurs ces mesures assez importantes de confinement, de couvre-feu, qui, mine de rien, changent complètement notre quotidien, ça me semble aussi très important et même essentiel d'avoir cette même solidarité, cette même empathie pour justement d'autres jeunes qui sont au sein de nos générations et qui vivent de plus en plus mal cette situation. Ça va? T'as de l'air bizarre. J'ai comme eu l'impression d'être suivi dans la rue. Y a personne dans la rue à cette heure-là. Tu serais mieux d'aller te coucher. Il est temps, hein. Tu vois, ça va mieux aller demain. Ouais, t'as sûrement raison. Bonne nuit. Bonne nuit.
Steve? Steve? Allô? Justine, c'est quoi cette capture que tu m'as envoyée? Je crois qu'il y a quelqu'un chez moi. Quelqu'un chez toi? Comment ça? Je pense qu'ils ont tué Steve. Allô? Allô? Monsieur.